Salut, salut. Moi, je suis un fils du village, le village Mbom. Je réside à Yaoundé, Médecins. Chaque année, je viens dans mon village. Et si je vous montre une société de parcs de bois installée à Saint-Melma, dans mon village Mbom, 200 francs de la ville de Saint-Melma. Nous sommes fatigués. On s'est tait pendant longtemps. Il est temps qu'on parle. On ne peut plus supporter. Mon village est dans l'obscurité depuis au moins 30 ans aujourd'hui. 30 ans aujourd'hui que mon village est dans l'obscurité. Des agents sonnels, il y avait l'électricité. Les agents sonnels sont venus voler le transformateur. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu l'électricité. Du côté que je vous montre, c'est ça sur le bois, venant du Cameroun, de Djoum. Les villages de Djoum. Ici, ça, c'est le bois venant du Congo. Ça quitte ici, là, ça s'est transporté par ces camions. Les camions que je vous montrais tout à l'heure. Pour l'Europe, pour la France, pour la Chine. Étant donné que nous, on n'a pas l'électricité dans le village. Quand on se rapproche auprès de la famille, quand on se rapproche auprès de la famille, ils disent que. Ils ont longtemps demandé l'électricité à la société. La société dit qu'ils n'ont rien à y voir avec le village parce qu'ils déversent de l'argent à la famille présidentielle. Que c'est la famille présidentielle qui les a installés. Chaque temps, le préfet, le sous-préfet de la ville de Saint-Melma, les commandants, les autorités viennent prendre du gasoil ici. En venant prendre du gasoil pour carburer leurs voitures. Il ne se soucie pas du fait que le village n'a pas l'électricité. Un village proche de la ville de Saint-Melma, 200 francs de la ville de Saint-Melma. C'est un quartier de Saint-Melma qui n'a pas le courant depuis au moins 30 ans. Pour l'eau, nous ne demandons pas. Parce que nous avons encore les marigots derrière nos maisons qui nous donnent de l'eau. Nous demandons à la famille présidentielle de nous donner l'électricité, d'arrêter de prendre l'argent dans cette société. De nous donner les hôpitaux dans nos villages. De nous donner l'eau et l'électricité, au moins les forages, au moins c'est l'électricité dans nos villages. J'ai voulu interviewer le blanc. Il a dit qu'il n'a rien à y voir avec moi, qui part demander à la famille présidentielle, qui ne peuvent pas nous mettre le transformateur. Nous sommes dans l'obscurité depuis 30 ans. Nous sommes fatigués. Vous allez dire que nous, ensemble, on vit bien. On ne vit pas bien ensemble. Vous, là où il n'y a même pas le pouvoir, là, vous vivez. Vous vivez plus que nous. On vit la misère à Saint-Melma. Le pouvoir-là ne nous sert à rien. Un quartier poche de Saint-Melma, 200 francs de Saint-Melma, n'a pas le courant depuis 30 ans. L'homme qui a le pouvoir-là nous sert à quoi? Il vient encore prendre l'argent dans une société comme ça-là. Sa famille. Le blanc nous dit qu'il y a un monsieur qui vient de moment qu'à chaque année prendre de l'argent ici. Nous, on veut l'électricité. Sinon, ça va aller de mal en pis. Ça, c'est un avertissement. Mettez-nous l'électricité au village Mbom, à 100 000 mâts. Je filme tout, je vous envoie. J'envoie au monde entier qu'on voit comment on souffre. Voilà les camions qui portent le bois. On veut l'électricité. C'est trop. On veut l'électricité dans le village. Sinon, ça va bader. Il y aurait masse. C'est trop. Diktéria. Qu'est-ce que c'est ça? Diktéria Djaladi. C'est le terrain du village. Thank you.
Comme vous pouvez voir, le camion qui transporte ces bois-là. Nous les villageois en Mbom, nous sommes fatigués. Nous les jeunes du village, nous sommes fatigués. Si on ne nous met pas l'électricité, on va sceller la société là. Mettre tous ces camions là doit arrêter les travaux. Voilà ma tante qui vient vendre les biens dans le village. Trop, c'est trop. On veut l'électricité.